Jérôme Rotten détruit les joueurs qui partaient trop tôt en Arabie Saoudite. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Arabie Saoudite, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars, l'Arabie Saoudite, moi je ne suis pas contre le fait que les joueurs aillent en Arabie Saoudite. Ce qui me dérange un peu, c'est de voir un joueur qui est encore le niveau, un joueur qui peut encore porter au très très haut niveau, aller en Arabie Saoudite, les gars. Si un joueur est déjà en fin de carrière, qui n'apporte plus quasiment rien en Europe, là, si pas en Arabie Saoudite, ça ne me choque pas. Mais voir peut-être un Benzema que je trouve encore performant, parce que Benzema avait encore le niveau, selon moi, de jouer au très très haut niveau au Real de Madrid. Voir des mecs comme les N'Golo Kanté, que je trouve, il revenait bien de blessure. Kanté revenait bien de blessure. Donc, voir ces mecs aller en Arabie Saoudite, les gars, ça me choque un peu. Après, c'est très compliqué de résister à l'argent, les gars. C'est très, très compliqué. C'est bien beau de juger les autres, mais est-ce que si nous étions vraiment à leur place, est-ce que on devait faire un choix inverse? Est-ce qu'on devait résister à cet argent? Donc, c'est facile de critiquer les autres, mais lorsqu'on vit une situation, là, je peux vous garantir que c'est très compliqué de prendre une décision rationnelle. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.